la mobile, lever la lune, continue, m'arriver, sans excuser, sans dire pardon, sans barison, lever la lune. RSF, info, musique, service. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Il est 18h01. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Arrêt sur image. Retour sur les faits saillants de l'actualité. Coup d'œil éclair sur les principaux événements de la journée. Voici un bulletin d'information signé RSF. À la une de l'actualité, un arrêté au journal Le Moniteur nomme le citoyen Rockefeller Vincent directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Il remplace à ce poste Maître Claudie Gasson, qui avait été nommé le 3 décembre 2019. Il aura passé donc 1 mois et 19 jours à ce poste. Dossier sécurité, le porte-parole de la police nationale d'Haïti, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, a fait le point aujourd'hui autour de 4 axes stratégiques de la police nationale à l'occasion des festivités carnavalesques. Parmi ces dispositions, plus de 3000 policiers seront déployés sur le territoire national. Les carnavaliers sont priés aussi de se procurer d'une pièce d'identité afin de faire savoir le porte-parole. Dans la foulée, M. Louis-Jeune a déploré la remontée vertigineuse des cas de kidnapping, dont celui de l'entrepreneur Clifford Dubois, trouvé mort après son enlèvement et séquestration. 36 personnes ont été arrêtées, 40 armes à feu saisies et des véhicules confisqués. Selon lui, plusieurs unités de l'administration ont fait front commun pour réaliser ces coups de filet. Enfin, le responsable dit mettre les bouchées doubles afin d'endiguer le phénomène de gang qui sévit dans la capitale haïtienne, surtout à l'entrée sud du pays. Dossier politique, Jean-René Senatus et Diopi Chérubin interdits d'accès au Parlement. Les véhicules de Jean-René Senatus et Diopi Chérubin ont été stoppés vers 1h de l'après-midi ce mercredi 22 janvier 2020 à l'entrée principale du Parlement haïtien au bicentenaire. Considérés comme des anciens sénateurs, ils ont été interdits d'entrer au Parlement. Insécurité, un policier de la 24e promotion de la police nationale d'Haïti, tué par balle au bicentenaire. Un agent issu de la 24e promotion de la police nationale d'Haïti a été tué par balle par des individus armés dans la journée du mercredi 22 janvier 2020, alors qu'il s'apprêtait à franchir le bicentenaire à bord d'une patrouille présente de la brigade d'intervention première. Hors de chez nous, Madame, Monsieur, la France et les USA trouvent un cadre global commun. La France et les États-Unis ont trouvé un accord sur un cadre global commun concernant la taxation du numérique, mais des points restent à régler afin d'aplanir complètement les divergences entre les deux pays, a déclaré mercredi le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. La désescalade se confirme à Davos. Français et Américains ont trouvé un terrain d'entente sur le dossier sensible de la taxation des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a assuré mercredi, après une entrevue avec son homologue américain, Steven Mnuchin, que Paris et Washington avaient trouvé un cadre global commun. La France est prête à reporter le paiement des acomptes de sa taxe digitale à décembre 2020 et les États-Unis sont prêts à suspendre les sanctions qu'ils menaçaient de prendre contre des produits français. Pendant ce temps, a-t-il déclaré en marge du Forum économique mondial de Davos. La France n'acceptera ni retrait ni suspension de sa taxe tant qu'il n'y aura pas de solution internationale, a ajouté le ministre, se défendant de plier sous la pression américaine. Il reste à nous entendre sur une base commune de travail avec les États-Unis pour faire avancer les négociations au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, à la fois pour une taxe numérique internationale et pour une taxation minimale des entreprises.
Bruno Le Maire a indiqué qu'il allait revoir jeudi son homologue américain pour discuter ce dernier point non négligeable. Malgré la détente, les États-Unis restent menaçants vis-à-vis de l'Union européenne. Depuis Davos, le président Donald Trump a durci le ton, avertissant qu'il était prêt à relever les droits de douane sur l'automobile à hauteur de 25% si aucun accord commercial n'était trouvé dans les prochains mois. La taxe numérique est discriminatoire par nature. Si l'on veut imposer arbitrairement des taxes sur nos entreprises numériques, nous envisagerons d'imposer arbitrairement des taxes sur les entreprises automobiles, a déclaré pour sa part Steven Mnuchin. Voilà, c'est tout pour ce soir, madame, monsieur. Retrouvez Thibaut Bush tout de suite après. Arrêt sur image, retour sur les faits saillants de l'actualité, coup d'œil éclair sur les principaux événements de la journée, c'était un bulletin d'information signé RSF.